Soit peut-être un petit peu plus lente, mais elle est en progrès. Et devant, attention, quand il dit quand il est en forme, je ne me pose même pas la question. Bien sûr. Lui, c'est un titulaire à part entière. Disputer, gagner un ballon. Et là, attention, là, c'est dangereux. Il est perdu, la Golizade, avec Tho. Et il y a une supériorité en derrière-toi, ce qui va peut-être faire mal avec Nmecha. À qui il est bon, Pento? À qui il est bon, le petit Corse, là-bas, d'être sorti dans les pieds. Morioka. Pas mal. Oh, belle, pas mal du tout. Tout le monde, Charleroi qui s'élevait là, qui la voyait au fond, mais... Bel appel. Morioka, évidemment, on connaît sa précision. Puis là, il faut tenter. Un des meilleurs matchs de Ranking Pitch, je trouve, aujourd'hui. Il monte en puissance et ça, c'est pas mal. Ça aussi, Golizade, oh. Ça peut passer encore. C'est magnifique. Ça va bon. Volen Reuter qui nous sort un arrêt splendide. Je pensais qu'il allait l'avoir, Bruno. Doundou. Oh là, elle est pas bonne cette balle, elle est pas bonne, Morioka peut pas frapper, mais Golizade, oui, Reuter qui ne parvient pas à l'avoir, Charleroi passe devant, mais quelle boulette, c'est incroyable ce qui se passe ici. Bah, Evelyn Reuter, c'est pas forcément de sa faute, hein, parce qu'au départ de l'action, il y a quand même... Là on a la possibilité de dégager. Là, je sais pas ce qu'on fait là. Là, franchement, il faut avancer, il faut pas reculer. Et là, Morioka, il sait quand il faut la donner. C'est vrai qu'il y a des joueurs peut-être devant, mais il doit la prendre. Ouais. Il doit la prendre. Mais je veux dire que c'est pas le premier responsable. Non, c'est pas le premier responsable, mais il doit la prendre. Mais c'est il vrai est qu'on... en partie responsable, ouais, c'est il, vrai. Ouais, il est en partie responsable, même si on doit dégager le ballon du côté d'Anderlecht. On doit sortir ce ballon plus proprement. Il reste quoi? Il reste 2 minutes où il faut dégager le ballon. Non, il reste rien, c'est fini. Il va siffler la fin. Dans quelques instants, parce qu'on était dans le temps additionnel, et bien voilà, c'est terminé. Et un Sporting de Charleroi qui, in extremis, vient arracher les 3 points.